Descend en direct. On l'avait passé dans la rubrique autoprod, peut-être pas le mardi suivant parce que c'était déjà programmé, mais la fois suivante, j'étais bien surpris parce que moi je vous ai pas vu encore dans cette formule, enfin la nouvelle formule Anna en duo. Donc moi j'en suis encore à ma nuit tout seul. Et ça m'a fait plaisir parce que ça va, on l'a reçu il y a 3 ans, on le sentait qu'il fallait quelque chose pour le motiver peut-être. Il avait les chansons, il avait tout, le talent et. Il fallait une rencontre, voilà. Voilà, une rencontre. Puis bon. Non, je suis pas déçu non, du EP non plus, quoi. C'est, justement, les morceaux péchus, bah justement, tant mieux, ça apporte... Il y avait Monsieur Philippe Henry qui bougeait dans tous les sens pendant le morceau bon que signe, vient de nous proposer Anna. Tu veux réagir par rapport à ce que nous propose Anna? Non mais il a l'air d'aimer, en tout cas il approuve de la tête quoi. C'est pas très radiophonique mais en tout cas il approuve, voilà. La construction des morceaux, vous y travaillez particulièrement? Parce que je disais, on a vraiment l'impression que c'est une histoire. Nous avons 30 secondes devant nous. 30 secondes, alors c'est une histoire. Alors, non mais le texte en plus de celle-là c'est marrant parce que c'est vraiment pour le coup toutes les chansons racontent pas des histoires avec un milieu, un début, une fin, des personnages, etc. Et là en l'occurrence c'est ça. Et le fait est que oui, du coup ça colle à ça. Mais en fait c'est surtout l'enregistrement qui a amené à ça, la production, le fait que, souvent les erreurs même, le fait que tel passage sonnait pas très bien, du coup on a viré des trucs et on a dû compenser, et parfois en enlevant des choses, on a des choses bien. Allez, et tu nous diras la suite après voilà, les quelques terminé. Minutes d'information.